Apple a toujours été un des précurseurs de l'innovation technologique. Et maintenant, ils sont prêts à redéfinir notre réalité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le domaine des Apple Glass et voir ensemble comment Apple prévoit la réalité augmentée, sachant que nous l'avons déjà entrevue avec les Vision Pro. Tout le monde connaît Apple. C'est l'une des entreprises les plus riches au monde, de la transformation de la musique par l'iPod ou encore de la redéfinition de la communication par l'iPhone. Les innovations d'Apple ont constamment modelé les industries. Apple a toujours repoussé les limites et a toujours cherché à créer quelque chose de nouveau, et les Apple Glass en feront partie. D'ailleurs, si on parle de design, la philosophie d'Apple a toujours été l'intégration harmonieuse de la technologie à l'esthétique. C'est-à-dire que si vous regardez tous les produits Apple, ils sont tellement fins, tellement purs dans le design que ça paraît simple. Mais saviez-vous que les designers d'Apple ont passé plusieurs mois simplement pour créer le design de la corbeille de votre Mac? Et les Apple Glass ne feront pas exception à cette règle. D'après ce que l'on sait, le design devrait rappeler des lunettes haut de gamme tout en intégrant une multitude de technologies à l'intérieur. Par exemple, vous avez le scanner LiDAR qui sera subtilement intégré et qui en dira long sur la vision d'Apple. C'est une technologie puissante qui ne compromettra pas le style, et d'ailleurs c'est une technologie que vous utilisez déjà peut-être dans votre véhicule. En effet, le scanner LiDAR est une technologie qui utilise des impulsions lumineuses pour mesurer les distances entre le scanner et les objets environnants. Le terme LiDAR est un acronyme pour Light Detection and Ranging. Son fonctionnement est assez simple. En fait, le scanner émet des impulsions lumineuses et ces impulsions frappent des objets et sont ensuite réfléchies vers le scanner. En mesurant le temps que met chaque impulsion pour revenir au scanner, le LiDAR peut déterminer la distance entre le scanner et l'objet. En effectuant des milliers de ces mesures chaque seconde et en les combinant avec d'autres données, comme l'angle de l'impulsion, le LiDAR peut créer une image tridimensionnelle détaillée de l'environnement. Le LiDAR est utilisé dans de nombreux domaines, notamment la cartographie aérienne, les véhicules autonomes qui vont vous permettre en fait de conduire sans toucher le volant, l'archéologie, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est possible de révéler des structures cachées et de la végétation au sol. Pour les Apple Glass, le scanner LiDAR sera utilisé pour détecter et comprendre l'environnement de l'utilisateur, lui permettant ainsi de superposer des éléments de réalité augmentée de manière précise et réaliste. Pour rentrer plus dans le détail des Apple Glass, elles ne seront pas simplement destinées à voir le monde, mais à interagir avec celui-ci. Voici quelques rumeurs qui nous montreraient potentiellement comment les Apple Glass fonctionneraient. Premièrement, on devrait avoir une synchronisation fluide. Imaginez par exemple vos notifications, cartes, messages directement dans votre champ de vision, le tout synchronisé avec votre iPhone en temps réel. C'est-à-dire que lorsque vous marchez, si vous recevez un message ou un mail, celui-ci s'affichera automatiquement sur votre lunette sans vous gêner. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourrez marcher, continuer à marcher et potentiellement lire votre mail ou votre message tout en restant connecté au monde réel. Vous aurez aussi un App Store dédié, ce qui ouvrira un champ des possibles tout nouveau, que ce soit pour des jeux ou des applications professionnelles. Vous aurez aussi un environnement interactif, puisque Apple a déposé certains brevets qui suggèrent la capacité d'interagir avec des objets numériques et physique, ce qui pourrait vraiment révolutionner le monde de l'industrie, que ce soit du jeu ou de la santé. C'est-à-dire que clairement, vous aurez la possibilité avec les Apple Glass d'interagir avec le monde et de pouvoir toucher des objets physiques et non physiques avec vos doigts. Au niveau du moteur, comme vous le savez, chaque produit Apple possède son propre âme, son propre OS. Ici, on devrait avoir le Reality OS qui devrait s'intégrer à iOS et donc offrir aux utilisateurs une expérience intuitive et révolutionnaire. Comme je l'ai dit plus haut, les Apple Glass devraient fonctionner de corps avec votre iPhone et donc le Reality OS devrait être potentiellement comme une option, un add-on en plus sur iOS, en tout cas au début, puisque comme vous en doutez, il n'est pas possible d'ajouter une batterie ou en tout cas une très grosse batterie sur des lunettes. D'ailleurs, en parlant de l'autonomie, l'accent d'Apple a toujours été mis sur l'expérience utilisateur et on le sait, les iPhones ne tiennent, en tout cas pour les iPhones normaux, c'est-à-dire de taille normale, hein, pas la version Pro ou Max, ne tiennent pas très longtemps. Même si on a vu la courbe d'évolution de l'autonomie des iPhones, elle n'est pas encore exceptionnelle, même si l'iPhone 15 devrait augmenter l'autonomie de la batterie de 18% et on a hâte de voir tout ça. Pour les Apple Glass, l'autonomie devrait être d'au moins 3 heures. C'est-à-dire que vous pourrez techniquement utiliser les lunettes en full capacité pendant 3 heures et ensuite elles deviendront des lunettes normales. J'imagine que 3 heures serait un début et que l'objectif serait d'avoir au moins 8 à 15 heures d'autonomie, ce qui vous permettrait de les utiliser sans interruption. D'ailleurs,
pourquoi auriez-vous besoin de les utiliser toute la journée? Tout simplement parce qu'il y a des features qui devraient intégrer ces lunettes qui sont assez magiques. Par exemple, vous aurez l'Automatic Adjustment. En gros, si vous avez un problème de vue, les lunettes pourront analyser automatiquement votre problème, potentiellement via quelques exercices comme vous le faites chez l'ophtalmo, et ensuite corriger votre vue sans que vous ayez besoin d'acheter de nouveaux verres. Imaginez l'économie que vous ferez en lunettes. Vous aurez aussi la fonction Night Vision, ce qui vous permettra tout simplement de voir dans le noir aussi bien qu'un chat. Ça peut être utile si vous êtes dans une zone non éclairée, si vous faites une randonnée en forêt ou peu importe. Et enfin, comme nous l'avons vu dans l'Apple Vision Pro, la partie background. Donc la partie background, on l'a vu dans le trailer des Vision Pro, vous pouvez en fait changer le background autour de vous lorsque vous regardez un film ou une série, par exemple mettre un feu de cheminée ou une forêt, pour ne pas être dérangé. Et visiblement, c'est une option qui pourrait être disponible sur les glaces. Clairement, je suis assez curieux parce que le casque enveloppe totalement vos yeux, on devrait avoir une version bien plus light. Au niveau de la confidentialité, et ça c'est un point assez touchy, un point assez important, puisque imaginez vous vous baladez avec des lunettes qui scannent votre environnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est normal de se demander si ces informations sont stockées, si ces informations seront partagées, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut vous hacker? Et la réponse est totalement oui. Tout produit technologique est hackable. Cependant, la technologie LiDAR analyse l'environnement de manière anonyme. C'est-à-dire que, par exemple, elle ne détecte pas les visages à haute définition. Elle va détecter des formes et ensuite définir que cette forme est un humain. Ou si elle détecte, par exemple, qu'une forme est une banane, elle sait que c'est une banane, elle ne pourra pas vous dire si cette banane est mûre ou pas. Encore une fois, ce n'est que des suppositions. Et connaissant Apple, la sécurité sera de mise. Maintenant, on va parler d'un sujet très important qui vous intéresse tous, à savoir le prix. Alors, le prix de ce produit devrait être de $499, mais clairement, je pense que c'est vraiment trop faible. Du coup, d'autres personnes pensent que les lunettes coûteront plus entre 2000 et $3000, et je pense qu'on est plutôt dans cette fourchette. À mon avis, ça commencera à $2300, et ça montera potentiellement jusqu'à $3000, puisqu'on a énormément de technologies à l'intérieur, et en se basant sur le prix des Vision Pro, on devrait être dans la même fourchette. Enfin, la dernière information, c'est la date de sortie. Alors, visiblement, les Apple Glasses devraient être disponibles en 2025 ou en 2026. Alors, je sais que ça fait long, mais clairement, vu que le Vision Pro vient tout juste de sortir, Apple va d'abord tester et voir comment le marché accueille la réalité augmentée pour voir et ajuster son produit suivant, qui est l'Apple Glasses. Comme vous vous en doutez, les Vision Pro sont un produit exceptionnel, mais prennent de la place, et ce n'est pas tout le monde qui voudra les utiliser. Alors que ces lunettes, c'est très facile à mettre sur le nez, c'est quasiment inaperçu, et ça fera presque la même chose. Donc clairement, hâte de voir quand ce produit arrivera. En tout cas, j'essaierai de vous tenir au courant des nouveautés, peut-être l'année prochaine, et de faire une nouvelle vidéo sur ce produit assez révolutionnaire. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.